Il y a quelques mois, au printemps, les éleveurs de cette exploitation porcine ont été victimes d'une intrusion. L'association de défense animale DXE est entrée dans leur ferme et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On voit des images complètement fausses de mon élevage. On voit un animal qui est mort, mais ça arrive dans la vie. Voilà. Il y avait plein d'animaux vivants en pleine forme à côté, mais ils font un focus sur celui qui est mort. On n'a pas rentré chez vous et montrer n'importe quoi. Moi, si je vais chez vous, je vais bien trouver un peu de poussière derrière le frigo et c'est pas pour ça que la maison est sale. En 2019, plus de 1000 intrusions ont eu lieu en France. Face à ce constat, le ministre de l'Intérieur a lancé une cellule spécialisée dans les atteintes au monde agricole, la cellule Déméter, pilotée par la gendarmerie. Elle vise à mettre tous les moyens nécessaires et à l'appréhension de tous les phénomènes que nous connaissons au niveau national, du territoire national, à faire en sorte que nous puissions, en amont, par le renseignement, au moment des faits, par l'intervention, puis dans l'instruction judiciaire, faire en sorte qu'aucune de ces atteintes au monde agricole ne soit impunie. Depuis le début de l'année, plus de 14 400 exploitations agricoles ont été la cible d'atteintes. Des vols, des dégradations, des intrusions ou des destructions. Une hausse d'1,5%, soit deux atteintes chaque heure.